Ouais, c'est ça. Ça va, écoute. Ouais, ça écoute. Ça tente le Ça va, écoute. barakatou. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatou. Là, les petits ne sont pas satisfaits, là. Eh, Mohamed Amin, les frères ne sont Ouais. pas satisfaits. Alors, ils Il a sont dit, pas satisfaits. Mashallah, on a eu un torse du frère Malik. Mais là, le sujet le survole, là. Pour revenir, là. Il veut revenir, là. Tu sais, il y a des petits, là, ils sont fâchés ici. D'ailleurs, pour revenir, là, quand j'ai donné l'exemple du frère de 40 ans, mais les frères sont ici, là. Il y a des frères qui ont 20 ans, 22 ans, 23 ans. Eux-mêmes, ils vont te dire, il y a des femmes, elles veulent pas des frères qui n'ont pas connu de Mais femmes ici. oui, mais tout à l'heure je Il y l'ai a des dit, les frères qui ont soeurs des m'ont 20 dit, ans, des 22 ans, des 23 ans. tout à l'heure je l'ai dit, les soeurs m'ont dit oui, tu parles à notre place. En général, la femme, quand l'homme il n'a pas beaucoup d'expérience, beaucoup de femmes n'acceptent pas cela. Beaucoup de Mais femmes, c'est pour parce ça qu'elles se même, disent, parce elles se que... disent, par exemple, une soeur divorcée, elle va avoir du mal à se marier avec un homme qui n'a jamais commis de femme, parce qu'elle va dire ouais, c'est moi qui veux lui apprendre. Et la femme, elle a du mal. La fuite de la femme, elle fait qu'elle a du mal à accepter la position où elle est dominante. Tu vois? En fait, le truc, c'est quoi? C'est déjà que on accepte que les intérêts de la femme ne sont pas les mêmes intérêts que l'homme. Ça, déjà, il faudrait qu'on accepte ça. Un homme, ça ne le dérange pas de prendre une femme qui n'a pas d'argent. Mais en général, une femme, elle veut un homme qui a un minimum d'argent. On n'a jamais eu ce problème. Et jamais j'ai entendu une sœur dire, comme j'ai pas d'argent, eh ben alors je dois exiger minimum un homme qui n'ait pas d'argent. Moi, j'ai jamais entendu ça. Ma sœur, cache ton visage, s'il te plaît. Également, une femme, ça va la déranger de se marier avec un homme qui est plus jeune qu'elle ou qui est plus petit qu'elle. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça le truc. Maintenant, quand on parle des conséquences, peut-être faudrait qu'on rentre dans les conséquences. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, la femme, c'est visible et l'homme, c'est pas visible. Et voilà, voilà. Hey, j'en parlais avec mes frères, j'ai dit, voilà, je m'excuse. Mais Je attends, attends, m'excuse de ce que je vais dire. viens, on laisse réagir la soeur parce qu'apparemment elle n'a pas trop de réseau. Là, elle a du réseau. Bismillah, ma soeur. Salam Wa alaykoum salam wa alaykoum. rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas si vous avez des questions, je suis bien placée pour répondre, je pense. Vu qu'apparemment, depuis tout à l'heure, vous répondez à la place des sœurs. D'accord. Ben justement, on était en train de parler des femmes. On disait que les femmes, lorsqu'un prétendant il vient et que ce prétendant il est soit plus sot ou soit la moins d'expérience que la femme, ça va en général déranger la femme. Un fou ou un tox? Non, c'est vrai, je pense. Ah, ça c'est vrai. On dit pas parce qu'ils Pourquoi? nous disent qu'on dit n'importe Pourquoi? quoi. Pourquoi, ma soeur? Non, mais je pense en... Moi, je parle pas pour mon cas, mais après, je parle qu'en général, je pense que on vit dans Oui, un monde bien aujourd'hui sûr. où les Ici, femmes sont il n'y a considérées. personne qui parle de son cas. Ici, personne Bien parle de sûr, son cas, chacun son cas, on reste de manière générale. À ton avis, pourquoi? ouais. À mon avis, parce qu'en fait, les femmes, elles veulent se faire dominer par les hommes, c'est tout. Elles veulent pas apprendre à l'homme quoi que ce soit. Ou... Voilà, elles veulent qu'il ait de l'expérience, clairement, je pense. Donc, Merci. les mouvements féministes et tout ça, c'est des mouvements de réaction. Ça dit qu'elles veulent l'égalité, elles On veulent. parle... Après, moi, je parle pas pour les féministes et tout, tu vois. Moi, je parle plutôt pour les... Je pense dans notre communauté à nous, tu vois. Après, normalement... Ça devrait pas être le cas. On devrait aimer le fait qu'un frère s'y soit préservé et qu'il ne connaisse pas les femmes. Ça, c'est comme ça. Nous, on s'est mariés comme ça, alhamdoulilah. On a avancé dans nos mariages. Et c'était très bien. Parce Non, en qu'il fait, y ce que a tu beaucoup de dis. retours de situation. Parce que, attention, les sœurs qui veulent ce genre de situation-là, avoir des frères qui ont beaucoup d'expérience, il faut qu'elles sachent que si elles prennent un homme avec beaucoup d'expérience, à un moment donné, elles ne vont plus lui suffire. Donc, toutes celles qui ont peur de la polygamie, ou toutes celles qui ont peur. Abdallah, j'arrive, hein. Donc, toutes celles qui ont peur de la polygamie, ou toutes celles qui ont peur d'avoir un homme d'expérience, enfin, qui ont peur de... Donc, en fait, c'est un revers de situation. Hein. Ouais, faut En faire fait, ce attention que à tu moi. dis, En fait, je ce que tu dis, je suis d'accord. Et ça dépend, en fait, c'est ça que moi, je préconise très souvent, comme pour l'homme, comme pour la femme, que celui qui a fait Taouba, il purifie déjà.
son âme, purifie sa perception de tout ce qui est de l'ordre du couple et de l'ordre de l'intimité. Le problème qu'on a actuellement, et tu me diras ce que tu en penses, ma soeur, moi je suis content que tu sois là, comme ça on a la vie d'une femme, on essaie de voir, c'est qu'en fait, tu vois, les conséquences des fautes qu'on a faites, bah, forcément, il y aura des répercussions. C'est-à-dire que tu vas voir que, par exemple, le choix... Comment ? C'est exactement le mot que je ne trouvais pas. Il y aura des répercussions, en fait. C'est totalement ça. Voilà, c'est ça que j'allais te dire. C'est-à-dire que le choix... C'est pour ça quand on me disait un homme, c'était un serial fournicateur, comme certaines sœurs l'ont dit. C'est un serial fournicateur. Et après, il veut une vierge. Moi, en général, les hommes que j'ai connus comme des Lucky Luke, des frères que j'ai connus qu'avant, c'était des vrais Lucky Luke, bah, en général, ils vont dire, ils vont par. C'est-à-dire, sur 10, il y en a peut-être 2 qui voudront une vierge. Moi, 8, ils vont dire des paroles comme « Je veux une femme qui a de l'expérience parce que je n'ai pas envie de la prendre. » Par exemple, j'étais venu... En tout cas, il y a une vérité, c'est que les hommes qui ont un passé, en général, ils ne veulent pas des femmes qui ont un passé. Parce que ça les renvoie à eux-mêmes, ça, en fait. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire ça que... Ça les renvoie à eux-mêmes. Ils savent. Franchement, il faut dire la vérité. Ils savent ce qu'ils ont fait. Et généralement, il y a aussi autre chose. Ça les renvoie à eux-mêmes. Il y a aussi autre chose. C'est que le passé de la femme, dans les yeux d'un homme, ça a une répercussion beaucoup plus importante que l'inverse. Pourquoi ? Parce que la femme, lorsque tu vas voir que peut-être elle a eu un passé... La sexualité qu'elle s'est construite, je ne dis pas toutes les femmes, attention, je ne dis pas toutes les femmes, mais peut-être la sexualité qu'elle s'est construite dans le passé et dans le haram, et ben alors elle le définit comme la sexualité qu'elle doit atteindre. C'est pour ça que tu vas voir que certaines femmes, maintenant il y a des questions qu'on n'entendait pas avant. Tu me dis, dans une certaine époque, il y a des questions, ouais, si l'homme il ne satisfait pas. Et moi je trouve ça paradoxal que même chez des féministes, misandre, je ne cite pas le nom, mais on entend des textes de ouais, ben ce serait difficile de dire que de vouloir dire aux parents qu'on veut se séparer de son mari parce qu'il ne satisfait pas sexuellement. Moi, ça m'étonne qu'une femme qui t'apprend à ne pas dépendre d'un homme, ben en tout cas, elle veut pas apprendre à ne pas dépendre de l'entrejambe de l'homme. Excusez-moi de parler comme ça. Donc, ça, c'est peut-être les répercussions aussi. Monte à bout mal. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, parce que moi, en tant que séparé, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que je ne vais pas pouvoir rester longtemps sur le live, je n'ai pas l'habitude d'en faire le... Moi, la question que j'avais... j'ai oublié ma question, la question elle m'est sortie de la tête, mais... Abdoulaye, c'est une question, vas-y, parce que j'avais une question, mais elle m'est sortie de la tête. Moi, c'est ça. Est-ce que, ma sœur, tu penses que dans la généralité des... je crois qu'elle bug, la sœur. Ma sœur, je vais te demander. Est-ce que tu penses que dans la généralité des femmes, la majorité des femmes, pour elles marquent une grande importance dans le fait... Je vous écoute, c'est juste que je capte pas très bien à des moments, mais je vous entends. Ah, ok, d'accord. Donc, je te disais, est-ce que tu penses que dans la majorité des femmes, même la femme qui machallah, elle s'est préservée, tout ça, est-ce que tu penses que dans la majorité des femmes, pour elle marque une importance semblable à l'homme pour que l'homme soit puceau? Ça coupe, alors... J'ai pas entendu la question. Est-ce que tu penses que pour la majorité des femmes, et moi je parle même des croyantes, elles bug beaucoup, la sœur. Elle coupe, elle bug beaucoup. Non, mais là, ouais. Là, c'est bourbier pour elle. Moi, ce que j'allais dire, voilà, ça m'est revenu. Attends, vas-y, pose la question vu qu'elle est là. Elle est sur la route, je crois, c'est pour ça que ça bug. Et c'est marrant parce que regarde, Mohamed Lamine, regarde. Tu vois, quand l'exemple que j'ai donné, alhamdoulilah, il y a des sœurs qui disent, mais c'est son droit, elle a le droit. Mais bizarrement, maintenant, quand on dit c'est son droit pour la virginité, alors c'est une recommandation prophétique, on n'a pas le droit. C'est terrible.
Voilà, c'est terrible. C'est terrible, cette affaire. Mais en tout cas, je pense que beaucoup d'hommes, et moi, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont peur de se retrouver avec une femme qui a déjà connu la fornication ou qui est déjà divorcée, parce qu'ils ont, ils ont peur déjà que la femme elle n'oublie pas son premier homme, parce que apparemment la femme n'oublie jamais son premier homme. Ça c'est quelque chose qui est apparemment. Les gens ils disent, il y a des bruits de couloir qui disent que la femme n'oublie jamais son premier homme, donc beaucoup de frères ils ont peur de ça. Et ils ont peur aussi de ne bah, de pas satisfaire leur femme plus qu'un autre homme l'aurait satisfaite. Moi, je ne sais pas si c'est peur, tu vois. Je ne sais pas bah, si c'est ouais, peur. En tout cas, il y a des craintes. Il y a des craintes. Moi, je ne vois pas ça. Après, moi, je ne vois pas ça. C'est surtout quand, c'est quand j'avais vu le message que ouais, c'est une histoire d'ego. Moi, je ne vois pas que c'est une histoire d'ego, moi. En fait, moi, je comprends pas comment. Si, il y a de l'ego, il y a de l'ego. Attends, laisse-moi finir. L'ego, c'est quoi? Attends, définis l'ego. L'ego, c'est-à-dire que c'est de l'honneur mal placé. L'ego, c'est ça. Ça veut dire que toi, tu es là, tu fais le fier de manière mal placée. C'est ça, l'ego. Moi, tu peux pas me faire dire. Moi, je ne peux pas accepter. Je suis désolé et je m'excuse encore une fois. Je ne peux pas accepter qu'on me dise qu'un homme, il a de l'ego parce qu'il a du mal à supporter que des hommes, hein, dans la fornication, ont couché avec sa femme et que sa descendance va sortir de l'endroit où des hommes l'ont souillé. Bon, on peut pas me parler d'ego dans ça. On peut pas me parler d'ego dans ça, Mohamed Labib. Parce que regarde, frère, moi je suis désolé. Hein. Je pense que c'est pas tous les hommes qui poussent la réflexion. Et c'est pour ça que je suis en train de te dire, c'est du cas par cas. Je te dis, c'est du cas par cas. Mais tu peux pas dire. Il y en a des hommes, ça leur traverse même pas l'esprit, ça, tu vois. Tu sais, parce que malheureusement, je te donne un exemple. Les gens n'ont regarde, pas ce... Mais je vais te donner un exemple, Mohamed Lamine. Par exemple, quand les Sahaba, ils faisaient. Quand les compagnons et les musulmans, ils faisaient la guerre. Quand ils faisaient la guerre, leurs femmes, elles étaient où? Leurs femmes, elles étaient au champ de bataille derrière. Tu vois, non? Et quand les ennemis de chaque peuple, ils venaient, ils te disaient, nous, on va vous battre et on fera de vos femmes des esclaves. Ça veut dire le moyen pour toucher l'honneur de quelqu'un, il te dit, ta femme, là, je vais en faire une esclave. Donc, dans la tête de l'homme, de se dire, ma femme, là, quelqu'un d'autre, il va s'occuper d'elle. C'est pas supportable. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, à partir de ce moment-là, c'est la psychologie de l'homme. Il faut l'accepter. Maintenant, moi, je parle de manière générale. Après que tu me dises que maintenant, dans ça, il y a des femmes, elle a fait taouba, mais tellement tu vois qu'elle respire le digne, tellement tu vois qu'elle te ramène quelque chose que les autres ne peuvent pas te ramener. Et c'est à ça que moi je dis aux sœurs, mais la taouba, bien sûr, mais au fait, elle va te proposer quelque chose qui fait que toi, là, ça, tu mets de côté, parce qu'elle te ramène un digne. Il y a une sœur qui dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est posé ces questions quand il a épousé ses femmes? Mais subhanallah, déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les prophètes, il y a des livres de savants que les prophètes n'ont jamais marié des femmes pour fornicer? Parce que sinon, ça aurait pu porter atteinte à leur message. C'est-à-dire que les gens pouvaient les atteindre par leur message, par le biais de leur femme. Ah, lui, il parle, mais sa femme, on l'a connue avant. Moi, je connais des prédicateurs, ça leur est arrivé. C'est-à-dire que des koufars sont venus, ils ont dit, mais lui, il parle là, il prêche là, mais sa femme là, c'est nous, on a ouvert les portes. Moi, je connais un frère, il s'est marié. Voilà, je m'excuse. Voilà, comme je le dis, c'est des choses que j'aime les dire en privé. Je connais un frère. Un kafir, il est venu. Il a pris son téléphone. Il a montré sa femme en pleine action. Avant qu'elle passe pas ou pas. Et il lui a dit, avant que ce soit ta femme, c'était la mienne.
Audubillah, Avant, c'était ta femme, c'était la mienne. Audubillah, Audubillah. Mais en tout cas, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que certaines de nos sœurs qui ne sont pas mariées actuellement, les sœurs avec enfants, je pense qu'il y a de l'ego qui rentre. Parce que là, c'est les sœurs qui sortent d'un mariage dans le halal. Et parfois, certains frères, ils ont peur de ne pas avoir été à la hauteur. Et comme j'avais expliqué, il y a un frère qui, lui, s'est marié. J'ai expliqué ça tout à l'heure. Il y a un frère qui, lui, s'est marié. Et justement, il était marié avec sa femme, etc. Et sa femme lui a fait savoir que lui, c'était, elle a connu des bons partis meilleurs que lui. Et le frère, je le connais personnellement. Sa femme, elle lui a fait savoir. Excuse-moi, faudra parler d'un sujet. Moi, je voudrais qu'on traite un sujet, mets-le de côté. C'est le sujet. Dis-moi, je vais noter. Oui, c'est le sujet de. Mais si le mari, il me satisfait pas, je divorce. Je demande la séparation. Ça, j'aimerais qu'on rentre en précision dans ce sujet-là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il y a des femmes, c'est les conséquences de leur péché. Elles ont fait des dingueries, elles ont fait des choses de malade, elles ont eu des extases, excusez-moi de parler comme ça, dans le halam de fou. Et puis maintenant, nostalgie, elle veut retrouver ça dans le mariage, et quand elle ne retrouve pas ça, elle dit, je ne suis pas satisfaite. Mais tu n'es pas satisfaite parce que déjà, à la base, la norme ne te suffit plus. Parce que tu as fait des dingueries. Donc, au départ, il faut que tu purifies. C'est pour ça qu'il y a des choses que, quand on dit la femme n'est pas satisfaite, moi, je dis oui de manière générale, mais il faut qu'on rentre aussi dans certaines précisions. Si toi, tu es arrivé dans certaines, tu as fait certaines choses dans le passé qui fait que ta sexualité, maintenant, elle est débridée et que maintenant, la norme ne te suffit pas, attention. Il y a un frère qui dit, Abdallah est dans le réel. En tout cas, il y a quelque chose qui est vrai. C'est que, comme je disais tout à l'heure, une femme, quand elle a connu quelqu'un qui, comme Abdallah vient de le dire, hein, quand elle a eu des relations débridées dans le haram, après, lorsqu'elle va venir se marier avec son mari, quelqu'un qui n'a pas forcément l'expérience qu'elle a eue, et quelqu'un qui a une mesure moindre que ce qu'elle a pu connaître, je ne vais pas vous faire des dessins, vous comprenez tous, ça peut être problématique. Je te donne encore un autre truc. Aujourd'hui, on va donner un autre truc. Je te donne un autre exemple. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, là, je donne les petits vols que je donne. Je donne encore un autre exemple. Et voilà, je m'excuse. Et je le répète. Wallahi, Allah est témoin, mes sœurs. Wallahi, Allah, il est témoin. Il est témoin. Toutes les sœurs qui ont fait Taouba, je ne les dénigre pas. Et je les invite à multiplier les œuvres qui feront que leur visage sera resplendissant de la lumière du dîme. De telle sorte que tellement t'éblouit l'œil du croyant, il ne peut que te prendre. C'est bon? Je commence comme ça, parce que je veux dire quelque chose qui va être lourd. Je veux dire quelque chose qui va être lourd. C'est pour ça que je commence comme ça. Moi, j'ai demandé l'autorisation au frère. C'est-à-dire que j'ai envoyé un message avant le live, j'ai demandé l'autorisation au frère, il m'a donné l'autorisation. Il y a un frère qui est venu en bas de chez moi. Il m'a dit, Abdallah, j'ai mal à la tête. Tu sais pourquoi j'ai mal à la tête? Parce que je me suis marié hier. Je me suis marié avec une femme, je sais qu'elle a fait taouba. Mais voilà, notre nuit de noces, il s'est passé quelque chose, sans rentrer dans les détails, qui fait que je sais qu'elle a fait des pratiques avant que moi, je ne pourrais jamais faire parce que c'est haram. Et maintenant, je dois vivre toute ma vie avec l'idée de me dire qu'un homme connaît ma femme comme moi, je ne la connaîtrai jamais. Je répète. Il est venu me dire, je dois vivre avec le fait de savoir qu'un homme connaît ma femme dans le haram comme moi, je ne la connaîtrai jamais. Moi, ce que je suis en train de dire, tu peux pas me dire égo dedans. Arrêtez, les frères. Arrêtez. Wow. Arrêtez. Non, mais moi, franchement, je ne dis pas maintenant. À un moment, il faut comprendre la psychologie de la femme. Certes, comprenez la psychologie de l'homme.
Si Allah subhanahu wa ta'ala, je le répète dans Sourate Al-Rahman, il précise un homme pour l'inciter à œuvrer et qu'il aille au Jannah, qu'il aura des femmes vierges que nul homme n'a touchées et que nul djinn n'a effleurées, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala connaît la psychologie de l'homme et que c'est des choses sensibles pour lui. L'imam Razali, il a fait tout un chapitre sur ça. Donc, il faut l'accepter. Il faut l'accepter que c'est dur pour un homme. Acceptez-le. On ne peut pas parler d'ego. C'est dur pour des hommes, c'est dur. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Bon, il y a une sœur qui est là. Salam alaikum, ma sœur. Alaykoum salam, alaykoum salam. Ça va, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, alhamdoulilah. Bismillah. Je te voyais en commentaire depuis tout à l'heure, tu n'étais pas d'accord. Non. Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord, hein. C'est que c'est des vérités. C'est des vérités. Mais moi, ce que je déplore, à chaque fois que je suis des lives, c'est pourquoi on se concentre comme ça sur la femme. Pourquoi on met toute notre énergie comme ça sur la femme, en fait. Certes, c'est des vérités, il n'y a pas de souci. Mais on ne parle pas des hommes qui font des enfants dehors, des enfants illégitimes dehors, qui se marient le lendemain, et ces enfants-là, ils ne les reconnaissent pas. Ça veut dire que pendant des années, ils ne vont pas les voir. D'accord ? Ils ne vont même pas savoir à quoi leurs enfants vont ressembler. Eux, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants légitimes. D'accord ? Ils vont grandir, leurs enfants. Et leurs enfants, demain, ils vont rencontrer leur enfant illégitime. D'accord ? Et ils vont venir, papa, maman, voilà, maintenant, je vais me marier. Ça existe, ça. Ah, bah oui. Bien, pourquoi on ne parle pas des hommes ? Moi, je suis avant de se marier, ils sont d'accord avec toi. Mais si, je peux finir, je finis mon propos, Inch'Allah. Tu vois ? Et pareil, on parle des hommes qui font du haram dehors, il y en a énormément. Et une fois qu'ils se marient, ben, ils n'arrivent plus à tenir en place et du coup, ils trompent leur femme. Pourquoi on n'en parle pas, ça ? Je ne comprends pas. Pourtant, c'est vrai ce que vous dites par rapport aux femmes, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien de faire un peu de ping-pong, quoi. De parler aussi des hommes, parce que... Mais on a fait des lives, hein. On a fait des lives. Mohamed Lamine, regarde, je donne raison à la sœur. Le prochain live, on va faire ça, ma sœur, c'est bon. Le prochain live, on tape non, ça. Non, franchement, mais... regarde. Moi, je suis pas en train de dire que tout ce que tu dis, c'est faux. Attends, mais je dis juste qu'on ne peut pas faire un jugement en disant, voilà, la virginité, la femme. Vous vous rendez compte ? Regardez le replay. Et je vous assure que vous parlez que de la femme. Non, mais vraiment, ça, mais la femme, c'est le sujet. C'est le sujet. C'est le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'en fait. Je sais. Mais la femme, elle le fait avec l'homme, Mohamed. Mohamed, regarde, c'est le sujet d'aujourd'hui. Parce que si tu as vu le titre. Non, Mohamed Amin. Mohamed Amin. Déjà à la base, moi, comme je le dis, et wallah, j'ai juré, moi, je ne voulais même pas faire ce thème. Mohamed Amin, je dis, je n'ai pas envie. Voilà, les frères, ils sont là. J'avais envie, moi, Mohamed. J'avais pas envie. Moi, je dis, j'ai pas envie de rentrer dans des sujets comme ça pour ne pas froisser les gens. Mais le problème, il se trouve où ? La question que tu dis, c'est véridique. Pourquoi on parle toujours de ça ? Mais la chose, pourquoi on parle toujours de ça ? C'est déjà à la base, on parle toujours de ça parce que déjà, les sœurs, déjà, dans ça, ils sont pas d'accord. C'est pour ça que ça devient des palabres. C'est parce que déjà, même je te dis, c'est les oulamas qui le disent, même si je te dis, c'est Ibn al-Qayyim qui le dit, mais on vient encore me tirer ma capuche. Maintenant, quand non, les frères arrivent... Ta capuche, hein. Non. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je dis toi, juste... Toi, t'es d'accord, mais t'as pas vu les commentaires, ma soeur. Toi, t'es d'accord, mais t'as pas vu les commentaires. Toi, t'es peut-être d'accord. D'accord. Alhamdoulilah, mais t'as pas vu les commentaires. Maintenant, ce que tu es en train de dire par rapport aux hommes, rien que le dernier live, on en a parlé. Quand on a parlé du problème féminisme, on a dit le problème d'abord, c'est les hommes, le manque de pédagogie. On a parlé sur le fait qu'il y ait des pères absents. On l'a dit. Maintenant, si tu veux qu'on fasse tout un live sur ça, moi, je suis le premier. Et là, je mets les gants. Et là tu ne vas pas entendre ce que j'ai fait quand j'ai mis les mains comme ça et j'ai dit je m'excuse pour les femmes. Tu vois, on a déjà fait des lives où, alhamdoulilah, on a parlé des frères, on a parlé des sœurs, on a tapé sur tout le monde. Je sais pas si ça fait combien de temps que tu me suis, mais on a déjà fait des lives où, alhamdoulilah, on a tapé sur tout le monde. Après, là, c'est vrai que. Non, mais la sœur, elle a raison, on va revenir sur ça.
pour pas qu'elle se sente pas, pour pas qu'elle se sente le live de ce soir, le live de ce soir, il faut le contextualiser un peu avec les événements qui sont passés. À la base, c'était pas prévu, hein. Je l'ai prévu ce matin. J'ai dit, bon, vu qu'il y a eu une histoire dans les palabres, etc., je me suis dit, vas-y, on va lancer le live, tout ça. J'ai fait un sondage. La plupart des gens, ils étaient pour que l'on lance ce live. Après, c'est vrai. C'est pour ça que tout à l'heure, je posais la question au frère. Bah, vu que tu es là, ma soeur, on va te poser la question à toi. Est-ce que toi, tu penses que la société, elle condamne plus la fornication de la femme que celle de l'homme? Mais c'est ce que je déplore, justement. C'est ce que je suis en train de dire. Certes, c'est vrai, ça fait pas très longtemps que je suis au live. Et puis, bah, du coup, ce hier, je l'ai pas suivi. Mais même, c'est vrai, de manière générale, même des non-muslims, c'est, on va taper sur la femme. La femme. C'est, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Parce que tu penses pourtant, que les femmes... elle est pas seule à faire ses péchés, d'accord? C'est l'homme, en tout cas pour les sœurs, il a fait quand même, avant d'avoir cette femme hors mariage, avant de faire ce qu'il avait à faire avec elle, il l'a draguée, quoi, tu vois? C'est lui qui a fait les efforts quand même, tu vois? Pour l'avoir, et tout, etc. Aujourd'hui, il y a des femmes qui draguent les hommes. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans les détails. Je parle de manière générale. Pour moi, une femme, c'est difficile de la draguer. La pire, c'est que même quand on va dans... je suis désolé de dire ça, voilà. Mais même quand on va dans la sphère, c'est-à-dire que moi, par exemple, je suis dans les coulisses des imams, tout ça. Même quand on va dans la sphère des gens qui sont dans le dîn, tu vas voir que la... je suis désolé de dire, voilà, je le dis ça avec plus grande tristesse. Mais la plupart du temps, eh ben, c'est des sœurs qui proposent zina aux frères. Moi, il y a plein de frères qui me disent, frère, je vais craquer. Bah oui. Elle m'a dit, t'as fait bien sûr. Et la plupart du temps, c'est des sœurs qui proposent zina. Ça arrive à Youssouf, hein. Et ça. Ça arrive à Youssouf. En tout cas, moi, ce que je te dis, c'est dans les coulisses même des imams. C'est-à-dire que dans les coulisses même des imams, la plupart du temps, tu vas voir, c'est des sœurs qui proposent zina. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas quoi répondre à ça. Oui, moi, franchement, je ne sais pas quoi répondre à ça. Parce que, tu sais, en fait, je pense que on ne peut pas comparer. Un péché, pour moi, ça reste un péché, que ce soit fait par l'homme ou par la femme. D'accord ? Oui, mais les conséquences... Non, ma soeur, on peut comparer, je te ramène le Coran. On compare. Tu prends Sourate al-Baqara, quand Adam et Hawa, ils ont fauté, Allah il a rejeté la faute sur Adam. Parce que Adam, il était responsable de la femme. Les conséquences, et c'est les conséquences, elles sont pires vis-à-vis de lui. Ça veut dire, ça, je te donne plein d'exemples comme ça. C'est quand le prophète sallam, il te dit le berger est responsable de son troupeau, c'est-à-dire qu'il y a des péchés, qu'ils ont plus de conséquences, et sont plus, tu es plus sévère selon la fonction de chacun. Maintenant, le problème, c'est que la femme, quand on parle de... En fait, le problème, c'est que, ma sœur, moi, je suis d'accord avec toi qu'on n'a pas à amoindrir la fornication de l'homme. On est tout à fait d'accord. De même qu'on n'a pas à amoindrir la fornication de l'homme, qu'on n'essaye pas d'amoindrir le péché de la femme en disant « oui, et l'homme ». Parce que, islamiquement, la fornication chez la femme est plus laid, parce qu'il y a plus de conséquences. Là où elle fornique, c'est là où elle a donné la vie. C'est là où elle donne la vie. Tu sais, il y a des choses que moi, je te dis, je le dis avec la plus grande tristesse. Tu sais, quand on a dit que physiquement, c'est visible, dans le truc de palabre, là, quand elle a dit, vous avez de la chance, les hommes, vous, c'est parce que ça se voit pas, et que nous, ça se voit. Mais, subhanallah, ça s'arrête même pas là. Est-ce que tu sais qu'il y a des études scientifiques, et je suis encore. Il y a des études scientifiques, ouais. Même s'il y a divergence, qui te disent qu'une femme, tous les hommes qu'elle a connus, le cerveau enregistre l'ADN de ces hommes-là. Oui. Ça veut dire... Ça a été démenti. Attention, j'ai lu un dernier là, actuellement, qui était chaud. Il a ramené... Les gens, ils ont un peu du mal. Parce que lui, il a ramené dernièrement... Tu sais, il a ramené quoi ? Ceux qui le contredisaient, il a commencé à ramener plein de trucs par rapport aux chromosomes. Et les scientifiques qui le demandaient, ils ont dit quoi ? Ils ont dit, bon, ça, on est d'accord, mais on n'est pas d'accord sur le fait de quoi ? Parce qu'il y a d'autres scientifiques qui disaient quoi ? Qui disaient qu'en fait, tous les hommes qu'elle a connus, la femme, elle enregistre l'ADN des hommes qu'elle a connus, et après, lorsqu'elle va faire son enfant, et ben alors l'ADN de l'enfant,
va se constituer avec tous les hommes qu'elle a connus. Et c'est sur ça que beaucoup de scientifiques disent non, on n'est pas d'accord. Là, sur ça, on n'est pas d'accord. Mais quand je te rappelle, c'est que déjà, si les scientifiques ils rentrent dans quelque chose comme ça, tu vois que même Allah, subhanahu wa ta'ala, il te montre que physiquement, ça a des conséquences, frérot. Ça a des conséquences énormes, même sur son physique. Donc, c'est pour ça que ce que je suis en train de dire, c'est que moi, je suis d'accord, ma soeur, wallahi, je suis d'accord avec toi, on n'amoindrit pas la fornication de l'homme. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire très attention. De temps en temps, on a des paroles qui, en vérité, ça montre pas réellement la gravité de l'acte. C'est-à-dire que le fait de rejeter, oui, mais les hommes aussi, c'est une manière de se donner bonne conscience pour, tu vois, certaines, c'est ça, on dirait. Alors que le fait de bien être conscient de la gravité de l'acte permet à la sœur de faire taouba que quand elle aura des enfants, elle sera ferme sur ça. Parce qu'elle sait la gravité de l'acte. Mais si elle amoindrit la chose, oui, mais les hommes aussi ils l'ont fait, on amoindrit le péché, comment toi tu vas éduquer tes enfants à ne pas faire cette chose-là de manière ferme si toi déjà dans ton esprit, qui toi tu l'as fait, eh ben toi dans ta tête, bon, vas-y, je l'ai fait, c'est un péché, je fais taouba comme tout le monde. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, ma sœur? Moi, c'est sur ça que je veux sensibiliser. J'ai très bien compris. Moi, j'ai compris, je suis d'accord. C'est juste que pour moi, quand on rentre dans un débat, il faut y rentrer entièrement. Ça veut dire que quand on parle de la femme, il faut aussi parler de l'homme. Pour moi, tu vois, c'était logique. Non, mais le débat, en fait, oui, nous, lorsque l'on procède, on fait le live, dans ce live-là, on va parler des hommes. Après le live d'après, on parle, ouais, mais, et on se concentre sur les femmes. C'est compliqué, parce que après, du coup, tu vois, t'as des messages comme ça qui viennent en mode, bah, et l'homme, tu vois. Ouais, mais si c'est... tu parles plus de la femme, on se concentre sur la femme. Moi, j'étais pas là quand vous avez tapé sur les hommes hier, par exemple, tu vois. Non, hier, en fait, c'était un live, c'est pas hier, c'était avant-hier, on a fait un live, le féministe versus le patriarcat, mais on a fait des 5 heures de live sur ma chaîne YouTube, tu peux aller voir, je tape Mohamed Lamine, on a fait des 5 heures de live où on tape sur les frères, sur le comportement nauséabond des frères, donc t'inquiète pas pour ça, on n'est pas injuste, les hommes, ils ont leur part de responsabilité, les femmes ont leur part de responsabilité, la femme n'est pas toute blanche, l'homme n'est pas tout blanc, la fornication, ça se fait à deux. Maintenant, nous, on parle, ici, on parle des conséquences de la fornication. Et ce que certaines de nos sœurs n'avaient pas accepté, c'est que les conséquences de la fornication chez la femme, il va y avoir plus de conséquences que l'homme. Nous, c'est ce que l'on dit. Mais on dit pas que la femme, elle va être plus châtiée que l'homme. C'est comme un homme, un père de famille, lorsqu'il va, il va manquer à ses responsabilités, c'est tous ses enfants qui vont peut-être mourir de faim. C'est sa femme qui va mourir de faim. Donc, une femme, quand elle va manquer à ses responsabilités, ça n'aura pas le même impact que quand l'homme va manquer à ses responsabilités. L'homme saura beaucoup plus d'impact. Mais tu ne trouves pas que c'est déjà une conséquence immense de faire des enfants que tu ne reconnais pas? Mais c'est trop grave. Qui ont ton ADN? Oui, mais c'est trop grave. Mais la femme, dans quelle mesure elle fait ce même... On a cette même conséquence pour la femme? Non, mais là ma soeur, on parle de la communication, on ne parle pas du manque de responsabilité vis-à-vis de l'homme. Si tu veux qu'on rentre dedans, on va rentrer. Mais c'est pas une question de responsabilité. Non, je te parle d'une question de fornication. Un homme qui fornique, qui a un enfant dehors, qu'il ne reconnaît pas. Son enfant, il arrive à 18 ans, un enfant dehors, il n'est pas au courant, il ne l'a pas reconnu. D'accord? On va qu'il n'est jamais au courant. D'accord? Son enfant, il arrive à l'âge du mariage, on va dire. Mais il a d'autres enfants légitimes. Ces deux enfants-là, ils se rencontrent. Ils veulent se marier. Lui, ses deux enfants, c'est ses enfants. Ça existe, mes frères. Non. Ma soeur, il y a des règles de fuite. Non, mais c'est pas une question de règles de fuite. C'est que le mec, il n'est pas au courant qu'il a un enfant dehors. Non, ma soeur, regarde. C'est pas son enfant, c'est son ADN. Mais même, ils n'ont pas le droit de se marier, même si ils se demandent, c'est pas un enfant. Mais regarde. C'est ça. Ma soeur. Même s'il y a des parents bizarres, un peu, Mohamed Amin, ma soeur, là, on parle. La fornication en elle-même, le péché, non, attends, oui, mais le péché en lui-même, le péché en lui-même. Il faut savoir une chose, c'est que l'homme, psychologiquement parlant, il peut épouser plusieurs femmes. Ça, on va pas se mentir. C'est comme ça, Allah a créé comme ça. C'est-à-dire que l'homme,
il est prédisposé à avoir des rapports avec plusieurs femmes. Donc, c'est pas la même vision des choses que lorsque c'est une femme qui le fait avec plein d'hommes. Non, on mais là, on parle dans une vision de choses. Mais je après, le comportement qu'un homme il va avoir, si un homme il a des enfants à droite à gauche et qu'il fournit, qu'il a des enfants à droite à gauche, etc., c'est très très grave. C'est très 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 grave. C'est très très grave. Mais le péché de la fornication en lui-même, lorsqu'on parle du péché mais en ça, lui-même. C'est une conséquence de la fornication. Parce que monsieur fornique partout. Ouais, donc il a des enfants mais, partout. Oui, mais ma soeur, donc, il ma soeur, que ma soeur, enfants, ma soeur. Il se marie avec ses 20 ans. Un homme, il peut se marier avec quatre femmes et puis il a des enfants un peu partout aussi. C'est ce que je veux dire. Oui, mais t'as bien dit qu'il peut se marier. Il enfants peut, qu'il aura, ça sera des frères et sœurs. Oui, et ils seront au courant qu'ils seront frères et sœurs. Mais moi, je te parle de la fornication. Pas forcément. T'as des gens qui ont des enfants là-bas, ils se marient, sa deuxième femme ne sait même pas. Il sait même pas. Les deux femmes ne savent même pas oui, mais demain, quand les enfants vont te rencontrer, lui, il sait qui sont ses enfants. Pas forcément. Les enfants vont se rencontrer. Le néfaste de la fornication, il est dedans. Le néfaste de la fornication, c'est la coupe. Non, le néfaste de la fornication, il est dedans. Mais... Le néfaste de la fornication, il est dedans. Mais en fait, un homme, il peut être marié. Et puis, en fait, l'exemple-là, je trouve que ce n'est pas un exemple qui est vraiment. Non, en fait, la sœur, elle part d'une autre conséquence. La sœur, elle parle du fait qu'un homme, qu'il est là, il est là, il fout des bébés un petit peu partout. Il est là, il est en train de faire quoi? Il est en train de propager une turpitude. Il propage une turpitude et que la chose, elle est grave en elle-même. C'est-à-dire que lui, il est là, il déracine. Il coupe les liens de parenté parce qu'il a des enfants partout et finalement les liens de parenté ils sont pas là. Ça veut dire lui il fournique partout, il fout des bébés partout et finalement il fait une vraie turpitude. Ça on est tout à fait d'accord sur ce point-là. Sur ce point-là que tu es en train de dire ma sœur, déjà son statut il est clair, c'est un fornicateur. Nous le sujet il est pas dans ça. Le sujet il est le sujet et si tu veux on peut rentrer dans ça. On peut faire un live sur le manque de responsabilité des hommes, du fait que eux, ils se permettent de faire des turpitudes, et qu'ils en ressentent, comme si c'est, enfin, ils minimisent même l'acte qu'ils font. Ils n'ont pas conscience de la gravité de l'acte qu'ils font. On peut faire ce sujet-là, je suis d'accord avec toi. Mais là, en fait, ce qu'on est en train de parler, on parle de l'acte de la fornication. L'homme comme la femme fornique. Le châtiment, c'est le même. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. C'est ça qu'en fait on est en train de te dire. C'est-à-dire que les conséquences ne sont pas les mêmes. Physiquement, ne sont pas les mêmes. Mentalement, les répercussions ne sont pas les mêmes. Et tout ça, c'est des savants qui ont parlé sur ça. C'est pas un petit amour, c'est même, pas un petit Même sentimentalement, parce que par exemple, une femme déjà, pour engager le rapport sexuel avec son mari, déjà une femme, parfois, ça prend du temps. Parfois, la femme, elle n'est pas forcément prédisposée à avoir un rapport avec son mari. Parfois, il va falloir que son mari, il vienne, il soit tactile avec sa femme, etc. Parfois, ça peut prendre du temps. Alors que l'homme, il fonctionne pas comme ça. L'homme, il fonctionne pas du tout comme ça. Donc, ça veut dire que déjà sentimentalement, pour qu'une femme, elle a déjà du mal parfois à avoir même un rapport avec son mari. Il faut que son mari, il la mette dans une condition assez spéciale pour qu'elle accepte d'avoir un rapport avec lui. Comment la femme, elle va aller outrepasser cela avec quelqu'un d'autre? Alors que l'homme, c'est pas pareil. L'homme, c'est mécanique, on va dire, pour lui. L'homme, c'est pas du tout pareil. On ne réfléchit pas du tout de la même façon. On ne réfléchit pas du tout de la même façon. Donc, c'est pour ça qu'on dit que dans le péché devant Allah Azzawajal, les deux sont pécheurs. Les deux ont la même sanction. Mais dans la perception des choses, dans la prédisposition des facultés qu'Allah Azzawajal leur a données, c'est totalement différent. Dans l'attente par rapport à la société, etc., c'est totalement différent. C'est dans ce sens-là. Mais Et puis même Mohamed Lamine, quand on te dit que les hommes ils banalisent la fornication et c'est quelque chose à condamner, mais en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que nos sœurs aujourd'hui, la majorité, elles ont prouvé qu'elles aussi, elles le banalisent. Puisque quand on a dit, mais est-ce que vous demandez un frère qui est puceau, elle dit, on pense tellement qu'il n'y a pas qu'on ne demande même pas et que ça ne rentre même pas dans notre tête. Donc, pour elle, moi, je pense que c'est même pas ça.
Moi, je pense que c'est même pas ça. Je sais que c'est pas ça, moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes, ils préfèrent un homme d'expérience. Mais comme les hommes, ils insistent sur la fornication, elle aussi, elle dit, ouais, mais attends, nous, on va demander ça. Alors qu'elle sait qu'on vient à l'intérieur d'eux-mêmes, à la base, les femmes, c'est pas quelque chose qui leur pose un problème qu'un homme, il est connu ou pas connu. Après, la sœur, elle est là pour affirmer ou démentir ce que l'on dit. Je ne sais pas, mais en général, je pense qu'une femme, ce n'est pas une préoccupation pour elle. Son intérêt primaire. En fait, moi, je pense que ça va dépendre de l'évolution de la femme dans le djinn, enfin, tout simplement, de comment elle se place dans le djinn pour savoir comment elle doit répondre, en fait, tout simplement. Moi, tu me poses la question, moi, je dis, je veux un homme qui craint Allah, donc un homme qui ne me connaît que moi. Si moi, je suis sa première épouse, ben, il ne connaîtra que moi en premier. Tout simplement, je veux pas qu'il ait rencontré d'autres personnes derrière. Il y a des sœurs, elles disent que. Il y a des sœurs, je lis, excuse-moi, ça existe les hommes vierges, mais les femmes en sont réticentes. Voilà. Oui, mais c'est pour ça qu'une femme n'a pas un seul. Tu vois que toutes les femmes de la communauté réfléchissent différemment, il y a plusieurs avis, en fait. Moi, mon avis, c'est celui-ci. Mmh. Ouais, mais des fois, c'est des avis, des réactions. Hein. Ouais. Après, il y a des généralités, c'est vrai. Mais après, quelle est la généralité? Moi, je ne sais pas. Moi, c'est ma réponse, en tout cas, tu vois. Donc, je ne sais pas trop. Il y a des frères qui font... Attends, je vais vous lire un commentaire. Il y a des frères qui ont fait la Java. Dès qu'ils rencontrent une sœur pas préservée, direct, il y a des SOS comme si la sœur avait fait la Java comme lui, alors que ce n'est peut-être pas le cas. Et c'est ça le souci. Aussi, tout le mal qu'ils ont fait, ils imaginent leur épouse dedans. Ouais, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je dis tout à l'heure, il y a beaucoup de frères qui, eux, ils ont eu un passé. Ils ne veulent pas des femmes qui ont eu des passés parce que ça les renvoie à eux-mêmes. Ils ont peur de tomber sur une femme qui ressemble au genre de femme qu'ils ont pu connaître. Et ça, faut le dire, ça, c'est vrai. T'as d'autres frères qui ont peur par rapport à leur ego. Moi, ça aussi, je l'ai déjà vu. Ils ont peur de tomber sur une femme qui est très attachée au premier homme qu'elle a connu. Ça, il y a beaucoup de frères qui ont peur par rapport à ça. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur de ce que la femme a pu connaître. Et tout à l'heure, Abdallah, tu voulais qu'on revienne sur un sujet sur les femmes qui... Il y a aussi des frères. Moi, j'ai entendu, il y a aussi des frères qui font attention à ça parce que je m'explique, hein, le pas vierge de notre époque n'est pas le pas vierge d'avant. C'est-à-dire que... Toi, tes réflexions sont trop profondes. Papa, la sœur, elle veut que je traite le sujet jusqu'au bout, non? Le pas vierge de maintenant n'est pas le pas vierge d'avant. C'est-à-dire qu'il y a certaines pratiques, par exemple, qu'avant, même dans la Jahiliya, certaines filles, certains vont dire « fais ci, fais ça », elle va dire « jamais ». Ça va pas. Là, maintenant, c'est devenu la base. Et puis, autre chose, c'est filmé. Autre chose, c'est peut-être photographié. Donc, lui, peut-être, il est là, il se marie, et puis après, back in the day, on t'envoie comme ça une photo sur ta face. Ah, c'est chaud. C'est pour ça même. Tout à l'heure, il y en a qui vont dire quoi. Le palabre. Tu sais, les gens, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ouais, c'est mieux que tu lui dises à ton mari parce qu'il peut l'apprendre par quelqu'un d'autre. Tellement les gens, en fait, même les gens, ils forniquent, mais les gens savent qu'ils ont forniqué, subhanallah. C'est chaud. Non, mais frère, excuse-moi, Mohamed Lamine. Excuse-moi, frère, voilà. Voilà. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que, tu vois, maintenant, le monde, il est à la fois large et petit. Maintenant, on a une époque où le monde, il est à la fois large et petit. Regarde, juste toi, Mohamed Lamine. De temps en temps, tu vas citer un nom, je vais te dire, mais je le connais, lui. Ça veut dire, tu vois, les liens, ils se font. Ok, Taïb. Maintenant, il y a des frères qui sont tombés dans une situation mais délicate. Ils se marient, mais après, il fait la connaissance de certains frères et il se rend compte que certains frères ont connu sa femme
dans le haram. Pas de sakana, Seigneur, 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 Seigneur. Moi, je dis, je ne voulais pas rentrer dans le haram. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est plus profond. C'est plus propre. Ça, c'est Ziyad, même Ziyad, il commence à faire, Abdallah, c'est une galère. Voilà. Maintenant, moi, j'ai dit que c'est des sujets. On vient des quartiers populaires, on connaît les histoires comme ça, mon frère, il y en a de pire que ça. Maintenant, vous comprenez pourquoi le frère Abdallah. Vous comprenez pourquoi le frère Abdallah cherche toujours son âme sœur, vous comprenez? Non, faut pas mettre ça dedans. Moi, je cherche celle qui me fait mal aux yeux. J'incite les sœurs à brancher la lumière de la piété et du dîn. Il y a non, que mais ça franchement, qui Abdallah, peut détruire un homme. Abdallah, non. Qu'est-ce que tu fais? C'est bien, tu vois, parce qu'en fait, là, je pense qu'en fait, le problème, c'est que, après, je te donne la parole, Ziyad. Alors, Mabarak, tu vois, je pense que ce qui est bien, c'est que le frère Abdallah, en fait, il dit la vérité, tu vois. Aujourd'hui, peu d'imams sur les réseaux sociaux disent la vérité aux sœurs. Tout le monde vient et, en fait, ils essayent de caresser dans le sens du poil. T'as fait la fornication? Non, c'est pas grave, tu sais. Allah, il accepte de repentir. Oui, c'est vrai. Allah, il accepte de repentir. Mais, en fait, il faut aussi faire de la prévention. Et là, qu'est-ce qu'il fait le frère? C'est de la prévention. C'est de vous dire les conséquences de la fornication, c'est quoi? Parce qu'on ne parle jamais des conséquences de la fornication. On dit seulement, là, il a de repentir. Mais les plus prédécesseurs, ils étaient très durs avec ça. Ils étaient très durs. Ils étaient très durs avec ça, subhanallah. Donc, là, c'est de la prévention, en fait. Le frère, il vous veut du bien. Il pense loin. Et en fait, il vous dit bien. Je le répète. Moi, je suis obligé de répéter plusieurs fois parce qu'on va dire Abdallah, il est trop méchant. Moi, je le répète. Wallahi, je ne dénigre pas mes sœurs, même celles qui ont fait Taouba. Voilà, il y a des femmes, elles ont fait Taouba. Voilà, quand tu les vois, elles respirent le dîme. Tellement elles respirent le dîme. Voilà, quelqu'un. Tu sais, c'est ça la beauté de l'islam. C'est que l'amour que tu as vis-à-vis d'elle pour Allah, tellement elle respire le dîme et tu vois qu'elle détient quelque chose qui va te ramener une sérénité comme Adam avait besoin de la sérénité d'Awa, fait que tu pourras mettre ça de côté. Mais quand tu peux mettre ça de côté, c'est quand celle qui a fait Taouba, elle montre la lumière du dîme. Mais quand toi tu viens, d'abord la sœur, alhamdoulilah, elle a fait Taouba, mais après elle vient quand elle te parle. Déjà, tu vois dans le dîme, c'est bancal. Elle vient, elle parle mal. Elle vient, elle a plein de trucs comme ça. Pourquoi tu veux qu'ils se prennent la tête, au fait, le frère? Pourquoi tu veux qu'ils se prennent la tête? Il faut parler clairement. Les sœurs, elles regardent ce qui les arrange. Bah, les frères aussi regardent ce qui les arrange. Au fait, c'est ça. Ça veut dire, qu'est-ce que tu as à proposer pour que le frère, au fait, il voit tellement tu respires le dîme que ça, en fait, c'est devenu un détail. C'est à toi de ramener un comportement et une lumière du dîme qui fait tout oublier. Mais s'il n'y a pas ça, moi je suis désolé, la psychologie de l'homme, elle est là. Comme une sœur, moi je suis désolé, même si je te dis, même ma sœur, je te ramène un frère et tu as appris qu'il était homosexuel, et il était homosexuel dans le sens qu'il faisait la femelle, et qu'après il te dit il a fait Taouba, moi je sais que les sœurs d'ici là, elles auront du mal, même s'il a fait Taouba, je suis qui pour juger? Je me marie avec lui. Arrêtez. Hein. Il y en a beaucoup, elles vont gratter ça à leur tête. Elles vont dire, ouais, c'est compliqué là. J'aurais peut-être du mal à le respecter. C'est les conséquences de son acte qui fait que toi, pour toi, ce sera difficilement supportable. Donc, accepter qu'il y a des hommes qui ont cette psychologie, c'est tout. Et de là, on comprend que les hommes sont plus jaloux que les femmes, en vérité. Mais bien sûr, papa. Ça, c'est dans la fitra. Ça, c'est dans la fitra. Oh, frère, les sahaba, ils étaient fatigués dans la bataille. Quand leur femme leur dit, continuez à combattre, sinon ils vont faire de nous des esclaves, ils les ont fumés. Donc, la psychologie de l'homme, c'est qu'il se dit, mais il ne peut pas imaginer qu'un homme touche sa femme. Subhanallah. Qu'un homme touche sa femme. Lui, dans sa tête, c'est pas possible. C'est pas possible. Et si vous voulez,
Pardon, je lâche encore une petite bombe comme ça après. Après, maintenant, je fais que défendre les sœurs parce que sinon, on va trop. Tu vois, je lâche. Moi, quand on vient, on me dit la fornication. Allez, je veux parler de manière allégorique. Tu prends un verre. Mmh. Et tu prends une bouteille. Tu mets de l'eau. Une autre bouteille d'essence. Tu mets de l'essence. Tu mets une autre bouteille d'huile. Tu mets de l'huile. Tu mets une autre. Voilà. Tout ça dans ce réceptacle de verre. Est-ce que c'est la même que, par exemple, quelqu'un, une bouteille d'eau, il verse dans plusieurs verres? C'est la même chose? Moi, je vous laisse juste réfléchir à ça. Est-ce que c'est la même chose? Qu'on le veuille ou non, c'est pas la même chose. Ça, il faut être honnête. Moi, je demande juste de l'honnêteté. Ce n'est pas la même chose. Surtout l'endroit où tu donnes la vie. Non, c'est pas la même chose. Voilà. Ouais, bismillah, Ziad. Juste avant de commencer, un jour, quelqu'un m'a dit, un pote à moi, il m'a dit, hey, les bantous, frérot, sache qu'on parle très fort. T'as la preuve avec Abdallah. C'est un débatteur bantou en plus. Voilà. L'oratoresse. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, de base, c'est vraiment pas mon. Tu vois, ça, c'est vraiment pas mon domaine, tu vois, tout ce qui est relation. Tu sais, tout ce qui est relation homme-femme et tout. Moi, j'ai un avis dessus. J'ai un avis dessus, mais voilà, je ne veux pas l'exprimer ce soir. C'est un avis qui est pas, on va dire, dans le cadre de la discussion. Il est autre. Mais voilà, c'est vraiment pas mon domaine de prédilection. Moi, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je voudrais juste parler au niveau de donner un peu l'exemple. Mm-hmm. Et donner un peu l'exemple par rapport à moi, ma situation. Moi, mon épouse, et j'ai fait un live. Mohamed Lamine, ici là sur ta chaîne, on en a parlé. Mm-hmm. Moi, j'ai connu son ex-mari Galahmou pendant presque une dizaine d'années. C'était pas une relation très 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 proche. Mais c'est lui qui m'a donné mes premiers livres Feddin. C'est lui qui m'a donné mes premiers, on va dire, kamis, mes premiers parfums, mes premiers siwak. C'est lui qui m'a, je me souviens, hein, les ablutions, c'est lui qui me les a montrés. Mm-hmm. La salat, la manière de ruku, sujoud, la position des pieds, la salat du prophète, alayhi salatu wassalam, qui m'a même donné le petit livre bleu de Cheikh Albani, rahimahullah. Donc voilà. Moi, je vois pas il ou le mal à partir du moment où, comme le frère, enfin, comme vous dites depuis tout à l'heure, où la femme, elle respire le dîn, que ce soit par exemple, quand on parle de zina, comme on parle de remariage, je ne vois pas il où le problème de prendre une femme qui met Allah Azza wa Jalla en priorité dans sa vie. Mm-hmm. Si toi, c'est ton but, ben, alhamdoulilah, vous complétez. Tu vois? Je peux te répondre à ça. En fait, moi, je parle personnellement pour moi, tu vois, moi, je pense que tout va dépendre du degré de repentir de la femme, tu vois, par rapport à la fornication qu'elle a fait. Ouais. Je parle parce que on va pas prendre de la femme divorcée, parce que la femme divorcée, c'est un autre cas de figure. Elle est divorcée, elle s'est mariée d'un mariage halal, etc. Tu vois, c'est un honneur, tu vois. Ouais. Maintenant, la femme. En fait, c'était vraiment, excuse-moi, Mohamed Gamine, c'était vraiment pour. Pour expliquer, parce que vous en avez parlé tout à l'heure brièvement, tu vois, et je me suis dit, en fait, vous avez parlé de certains blocages de certains frères par rapport au fait que, voilà, elle a déjà été mariée, tu sais, quand t'as parlé. Il y a des frères qui ont des blocages par rapport à ça, mais il y a plusieurs cas de figure, tu vois, il y a plusieurs trucs. Bien sûr. Par exemple, il y en a qui vont te dire, le beau-père, il est présent. Mais déjà, je vais te répondre par rapport à la femme. Qui a fait la fornication. Le problème, tu vois, avec certaines sœurs qui ont eu un passé hors mariage, c'est que parfois, elles ont tellement été versées dedans, et je pense que le problème aussi, il est présent chez l'homme. Hein. L'homme, parfois, il a tellement été versé dedans, dans ce péché-là,
que parfois la purification elle est pas assez profonde, tu vois. Leur péché, il a eu plus d'impact sur eux que leur purification. Et c'est pour ça que moi, j'ai connu un frère, un bon ami à moi, un très bon frère. Personnellement, il était marié avec une sœur de ce type-là. Après, pendant le mariage, le frère, il a trouvé dans son ordinateur à lui, sa femme, elle avait gardé des anciennes vidéos d'elle où elle était en fait en boîte, etc., avec des hommes. Dans des anniversaires où elle dansait avec des hommes. Un jour, il rentre dans son ordinateur et il voit ça. Le frère, il était en Égypte. Sa femme, elle lui a dit, et il parlait avec sa femme, etc., elle lui a dit que elle avait connu mieux que lui. Ah. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que parfois, il y en a certains, le péché, il était tellement profond. Parce la purification, chose, elle n'est pas été. Vas-y, il a fait ah ouais. Frère, le frère, il m'a dit ça. Ça veut dire que une femme qui a connu dans le haram. Ouais. Voilà, regarde, Mohamed Lamine. Oui. Mohamed Lamine. Attends, je vais regarde, terminer. Je vais juste terminer. Attends, je vais juste terminer. Une femme ou un homme aussi qui est comme ça, parce que ça peut être aussi un homme, tu vois, qui a connu dans le haram, mais qui n'a pas eu une purification qui dépasse. Parce qu'il y en a, ils gardent des cicatrices. Ils ont des cicatrices. C'est sûr qu'ils sont dans le mariage, mais ils ont encore des cicatrices de ce qu'ils avaient avant. Ils se sont pas purifiés. Le comportement, la vision du rapport. Ils viennent avec les envies qu'ils avaient avant. Ils veulent faire les mêmes choses qu'ils avaient avant. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de frères sont réticents. Après, on parlera de la femme divorcée. Pour l'instant, on reste sur ce cas-là de la femme qui a fait fornication avant. Vas-y, Abdelhar, parle-moi. Et après, moi, je vais juste développer aussi deux autres aspects par rapport à ça. Le truc, c'est que tu vois, il y a certaines choses que la femme qui a fait taouba, par exemple, il y a certaines femmes, elles ont fait taouba. Ça veut dire qu'elle ne va plus faire zina. C'est clair. Elle a fait taouba, elle ne va plus faire zina. Mais elle aura des manières d'agir qui sont des conséquences par le fait qu'elle a connu de la maison. Moi, je connais un frère, sa femme, elle est venue, il s'est embrouillé avec sa femme, et sa femme, elle lui dit quoi? Elle lui dit, tu ne me touches pas. Je préfère même que 10 hommes me passent dessus plutôt que tu me touches. Ya Rabbi Kaaba, Ya Rabbi Kaaba, Ya Rabbi Kaaba, Ya Rabbi Kaaba. J'ai dit, je ne voulais pas. Voilà les frères, j'ai dit, je ne voulais pas aujourd'hui. Mais, moi, ce que je suis en train de dire, en fait, tu comprends? Ça veut dire la sœur, Wallah, le frère, il fait que sa femme, elle ne va pas bouger. Elle va pas faire zina, elle fait plus zina, c'est fini. Mais la manière de parler comme ça, c'est parce que, tu vois, ça a des conséquences. Elle ne voit pas la sacralité des choses. Tu vois, il y a certaines personnes qui vont parler comme ça, d'autres, elles vont pas se permettre de dire ça. Tu comprends? Alors, je vais donner encore un autre truc. Je vous ai dit aujourd'hui, je suis désolé, je ne voulais pas. Il y a une sœur, elle m'a contacté, ça je te dis ça, ça fait longtemps, ça fait peut-être 4 ans. La sœur, elle m'a contacté, elle m'a dit, mon frère, j'ai un problème. Tu as raison, les péchés laissent des conséquences. Elle dit, je pense à mettre le voile, mais j'hésite. Je dis, pourquoi tu hésites? Elle me dit, j'hésite parce qu'au fait, si je me marie, écoute bien, si je me marie, ben, au fait, je me marie sans savoir si l'homme, il me conviendra. Je dis, comment ça, si l'homme, il te conviendra? Et elle commence à rentrer dans l'intimité. En fait, elle est en train de me dire qu'elle a peur de mettre le voile parce que si elle met le voile et qu'elle se marie, peut-être elle va tomber sur un mari que peut-être l'anatomie du mari, bah, ça peut pas. Elle dit, moi, si c'est pas ce qui me convient, ça me bloque et il peut pas me toucher. Je dis, comment ça, c'est? Elle dit, j'hésite à mettre le voile. Ça coupe, on reprend tout de suite.